Solidaire d'abord, deuxième version sur la commune, parce qu'on a vu qu'à la première on n'avait pas tout dit, loin de là, de toute façon on n'aura pas tout dit non plus à la deuxième, hein, mais on va essayer d'en dire quand même un petit bout, des choses qui nous semblent importantes. Alors on va parler des parallèles avec l'actualité, avec aujourd'hui, on va un tout petit peu évoquer les chansons, Gilles, tu parlais aussi des chansons, on va parler du duo d'enfer qui a commencé à cette époque-là entre l'Allemagne et la France. On va parler de la presse, on va parler de ces graines d'insurrection qui sont nées pas que à la commune, puisqu'il y en a eu déjà avant, mais comment elles sont détournées à chaque fois dans notre histoire d'une manière générale. Alors en fait, moi, le premier élément dont je voulais parler, c'est, vous savez que le 18 janvier, dans la Galerie des Glaces à Versailles, il y a la proclamation de l'État allemand. Donc on peut se poser des questions sur les collusions qu'il y avait déjà entre le pouvoir... 18 janvier 1871. Il y a les collusions qu'il y avait entre le pouvoir français, puisque ça se passe à Versailles, hein, et il y aura donc juste après le pouvoir qui viendra à Versailles, le pouvoir français viendra à Versailles. Et donc notre histoire est faite sans arrêt de ces allers-retours avec un temps de guerre qui peut... comme ça, botter en touche sur tout ce qui pourrait être des envies d'une société un petit peu plus fraternelle, peut-être. Et on se retrouve avec ces guerres qui se retrouvent tout le temps là, qui nous ramènent à la case départ. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on commence. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ? Ben, juste par rapport à ce que tu disais là, moi, je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, les différents gouvernements étaient bien d'accord entre eux, et le but c'était bien... À chaque fois c'était quand il y avait des situations insurrectionnelles ou pré-insurrectionnelles que les guerres ont éclaté, et je pense que c'est par hasard, et que les gouvernements étaient bien d'accord entre eux pour battre les insurrections par le moyen de la guerre. Alors, en septembre 1864, et depuis septembre 1864, existe une internationale ouvrière, qui a été dissoute en France, la section française a été dissoute en France, mais là, on sentait quand même qu'il commençait à y avoir quelque chose qui commençait à s'élaborer au niveau d'une certaine liberté. Liberté de la presse qui est donnée en partie en 1868, pas comme on verra tout à l'heure quand on parlera vraiment de la commune, 1868, en 68, hein, en 1868, liberté de la presse qui commence. Et là, en fait, il y a un programme qui est amené par un monsieur qui s'appelle Benoît Malon et un autre Eugène Varlin, et qui pour ces élections-là, préconise une nationalisation des banques, des assurances, des mines, des chemins de fer. Et puis en même temps, il y avait les blanquistes qui, grâce à la presse de cette époque-là, pouvaient commencer à faire connaître un petit peu leurs idées, quoi. Et donc là, oui, cette situation-là, du fait qu'il y a un début de liberté, c'est très important pour ce qui va se passer juste après. Mais Berlin et Malon ont pris une part active dans la commune, d'ailleurs, aussi, ensuite. Alors, on faisait un parallèle, tout à l'heure, c'est toi qui le faisais, Denis, sur le CNR, puisque privatisation... Oui, ben oui, après la guerre de 40, 44, 45, quand la guerre a été finie, il y a eu la privatisation par Marcel Paul, entre autres, d'EDF, GDF, c'était parce que... Nationalisation. Nationalisation. Oui, nationalisation, parce que ben oui, tous les gros industriels de l'époque avaient collaboré avec les nazis, du coup ils se sentaient un peu merdeux, on va dire, et du coup ben, ils ont lâché du best, qui maintenant est remis en question avec le projet Hercule qu'on a parlé déjà, et ils essayent de nouveau de reprivatiser l'EDF et GDF. Bah, ils ont déjà bien reprivatisé une bonne partie avec Enedis, avec tout ça. Ouais. Oui, mais avec le projet Hercule, c'est encore... Oui, après, il reste les centrales nucléaires et les barrages. On est toujours dans le même kiff, on est toujours dans le même combat, et un siècle après,
en âme et corps pour garder les acquis. Alors, je reviens à la commune. Donc, en 1871, le fait qu'il y ait cette déclaration dans le Palais des Glaces à Versailles, le fait qu'on se retrouve avec 1er, 2 et 3 mars, les Prussiens qui viennent, défiler à Paris, etc., cette collusion, etc., ça ramène évidemment le fait que les gens sont très très remontés. Et donc, les communards étaient l'expression d'un républicanisme ultra-rouge, donc pas une république bourgeoise, hein, mais anti-religieux. Alors parce que pourquoi anti-religieux? Parce qu'on peut se poser la question, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des collusions sans cesse entre l'Église et le pouvoir, et les différents pouvoirs. Hein. Et puis on verra que justement, Marie-Claude, je vais te lancer sur ce sujet-là, Église et l'État, il va y avoir une séparation qui va être envisagée pour la première fois. Le pouvoir était jacobin, prolétarien, fouetté par la haine pour cette assemblée monarchiste qui, en fait, était capable de s'arranger avec les Allemands. Enfin, voilà. Oui, ben, la séparation de l'Église et de l'État, c'était le 2 avril 1871. Et donc, ils ont décrété la séparation de l'Église et de l'État, mais il y avait aussi la suppression du budget des cultes et la transformation de tous les biens ecclésiastiques et propriétés nationales. C'était devenu propriété nationale, en fait. Oui. Voilà. Et donc, en conséquence, après ça, de l'école, ils enlèvent tous les projets, tout ce qui était culte, en fait, les symboles, les images, tout ce qui était dogme religieux, en fait, tout ce qui relevait de la conscience individuelle de chacun. C'est-à-dire, là, tu commences à nous parler de laïcité, en fait. Voilà. C'était la laïcité aux premières heures. Oui, mais on est toujours là, toujours au symbole religieux. Qui sont stigmatisés par une certaine population. En fait, l'éducation devenait un bien public. Et ouvert, gratuit et ouvert à tous, avec la commune. Et autant garçons qu'aux filles. Voilà, ben oui, ouvert à tous. Alors, il se passe aussi, dans ce moment de la commune, quelque chose de très très important, c'est qu'il y a plein d'élections qui se passent les unes après les autres. Alors toi, t'es pas d'accord avec les moments électifs, mais il n'empêche que ces élections font qu'il y a beaucoup de discussions. Sauf que c'est des mandats impératifs, donc ça change des choses. Et puis, en même temps, comme il y a plein d'éléments forts qui sont portés par cette commune, ben les gens, il y a un brassage de population amené à plein d'événements. Et donc, en fait, là, on se retrouve avec quelque chose d'horizontal. Et il y a des élus, mais en fait, toutes les décisions se prennent en commission, quand même, avec l'ensemble de la population. Donc, c'est pas un État macroniste ou tous les autres d'avant, hein, c'est pareil pour moi, où c'est un ou deux mecs qui décident pour l'ensemble de la population. Là, c'est la population qui décide pour elle. Voilà, c'est cette horizontalité dont on parle très souvent qui là, a commencé déjà à pointer son nez. La presse aussi rentre. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose d'important qui se passe au moment de la commune. Là je ne suis pas plus en 68, plus en 1868, je suis au moment de la commune. Au moment de la commune, la presse devient libre. Oui, ben la presse est libre. Est très encouragé par la commune, en fait, au départ, mais c'était au tout départ, parce que vraiment il y a eu plus de problèmes, donc ils ont dû moins la laisser libre. Et oui, donc, mais parce qu'il y avait les tiers qui s'exprimaient contre la commune. Voilà, c'est donc, ça, c'est ça. Mais par contre, la parution des journaux était totalement libre. Un journal qui était aujourd'hui, interdit à la vente, le lendemain pouvait reparaître sous un autre titre, et voilà quoi. Du coup, ben oui, il restait quand même plus de liberté, puisque du coup, il y a ces 70 journaux qui ont été faits en 72 jours de commune. Donc. Entre autres, il y avait un journal qui s'appelait Le Père du Chêne, et tu nous disais, Gilles. Il y a aussi une chanson. Ouais, Le Père du Chêne, et le deuxième titre de la chanson Le Père du Chêne, c'est Le Bouillon dans la merde. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord. Et donc c'est une chanson révolutionnaire, effectivement, contre toutes les institutions, et en particulier l'Église. Quoi. Alors il y avait la franchise, il y avait le cri. Alors, tu le cri du peuple, ben, c'est Vallès.
Jules Vallès, qui avait créé ce journal. Et donc, c'était un journal politique quotidien qui faisait une feuille, hein, en grand format, 5 colonnes à la page, vendu 10 centimes à l'époque. Et qui était donc... Jules Vallès était rédacteur en chef. Et dans le numéro 20, là, tu me disais tout à l'heure qu'il fallait que j'explique. Dans le numéro 20, il dit que la bourgeoisie parasite... Donc la bourgeoisie, donc c'est les riches, hein, est à différencier de la bourgeoisie ouvrière. Et donc il incite les bourgeois ouvriers à venir et à participer à la commune, en fait. Déjà, le ton était donné là, c'était vraiment juste avant la commune, ça. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Qui c'est qui a dit ça? Tu sais bien. C'est Marx. Donc en parlant de la commune. En sachant que Marx était très réticent sur la commune. Hein, voilà. Il pensait que ça n'avait aucun avenir. Et par contre, après, il s'en est servi quand même d'exemple. Mais une fois que la commune était votée, quoi. En fait, Vallès avait a été l'un des 4 rédacteurs de l'affiche rouge aussi. L'affiche rouge, c'était contre le gouvernement. Hein, c'était contre les Versaillais. Contre les Versaillais. Et donc, elle a été. Ils avaient fait un texte où ils demandaient, en fait, dedans, ils réclamaient la réquisition générale, le rationnement gratuit et l'attaque en masse. Elle se terminait par place au peuple, place à la commune. Elle a été placardée dans toute la ville. Et c'était un appel à la création de la commune, en fait, déjà. Et dont le gouvernement a répondu après, a mis sur tous les murs une affiche blanche disant que c'était de la trahison et tout ça, quoi. Voilà. C'est la fin du vieux monde, gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage. La patrie... ses malheurs et ses désastres. Bon, c'est bien quand même, hein, la commune. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a 10 commissions qui se mettent en place. Il va y avoir une commission exécutive, donc qui va aller dans toutes les commissions pour mettre son grain de sel, bon, pour organiser en fait. Hein. Mais il va y avoir une commission militaire, une commission finance, subsistance, justice, sûreté générale, travail, industrie et échange, services publics et enseignement. Voilà. Mais à un moment donné, pour faire ce parallèle dont on parlait tout à l'heure sur comment les choses peuvent être dévoyées, on va se retrouver avec un comité de salut public qui va prendre le pas sur... ça, c'est au moment où, où les attaques de RCS s'amplifient, où le Paris est bombardé jour et nuit et compagnie, et où donc la frange la plus autoritaire des communards décide de créer le comité de salut public en référence à 1793. Et 1793, le comité de salut public, ça a été le début de la terreur quand même. Donc voilà, les choses sont clairement dites. Et du coup, on passe d'une commune gérée par l'ensemble de la population avec des commissions à une commune gérée par avec les pouvoirs absolus. Donc c'est voilà, le début du dévoiement de l'idéal révolutionnaire. Ouais. Alors c'est vrai qu'en référence à 1793, comme tu viens de dire, où on disait là qu'on avait le droit à l'insurrection qui était le plus sacré des droits et le plus imprescriptible des devoirs. Hein, 1793. Oui, et dans la Constitution française actuellement, il y a la Déclaration des droits de l'homme, où il y a marqué quand l'État bafoue les droits du peuple, il est du devoir du peuple de se révolter. C'est un devoir, c'est pas un droit, de se révolter. On est là. Ben voilà. Bon, ça fait longtemps qu'on vient, non, mais... Les élus pourraient être interpellés. Oui, mais enfin, révocables, moi j'en ai pas connu. Donc tu en connais, toi, des élus révocables? Donc je voulais juste un peu évoquer aussi le drapeau rouge et le drapeau noir, puisqu'il me semble que drapeau rouge et drapeau noir ont été... il y a les prémices là. Alors, peut-être tu as des choses à nous dire. Le drapeau rouge, ça vient de la Révolution aussi, d'ailleurs, de 1789.
Alors, le drapeau rouge, il a été choisi par rapport au sang du peuple, je crois. Enfin, c'est le sang. Oui. C'est ça, c'est le sang, mais c'est... Et le drapeau noir, c'est le deuil, en fait. Non, ouais, alors, on ne sait pas trop d'où ça vient, le drapeau noir. Il y a une légende qui dit que c'est Louis Michel qui aurait pris ses dessous pour en faire un drapeau, et que ses dessous étaient noirs. Mais... Ouais. Mais après, oui, il y a l'histoire du deuil. Mais en fait, il y a des suppositions, on ne sait pas trop... C'est pas forcément clairement identifié, quoi. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui était important quand même à cette époque-là aussi, c'est l'Association internationale des travailleurs de 1864, hein, qui avait été, voilà, l'AIT, hein, et donc qui proclamait l'émancipation des travailleurs par les travailleurs. C'est ça le but, hein. Et donc ça, c'était aux manettes à l'intérieur de la commune, quoi. Alors, que ça, c'est ouais. important. Alors l'AIT, moi j'avais vite évoqué la première fois, c'est notre Paconine qui l'a créé, et c'est une société secrète au départ, pour justement organiser le prolétariat dans un but révolutionnaire, effectivement. Ouais. Donc c'est les Bakouninistes qui ont créé ça. Et Bakounine, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'opposait à Marx. Parce que il était anarchiste et on a appelé le communiste et le communiste autoritaire, du coup en opposition communiste libertaire de Bakounine. En France, il a été quand même très très présent, hein, puisqu'il a entre autres, il est présent à la commune de Lyon, qui est arrivée avant la commune de Paris. Marie-Claude, dont tu voulais nous parler aussi, c'était sur les fonctionnaires, tu te souviens, hein. Et donc par rapport aux fonctionnaires, il y avait un truc qui s'est passé, qui est quand même assez énorme, c'est qu'il y a plein de fonctionnaires qui sont partis avec Thiers. Parce que Thiers est parti à Versailles, quand la commune a commencé à se mettre en place. Il y a plein de gens qui ont du pognon, tu le disais la dernière fois, Gilles, qui sont partis avec le pognon à Versailles. Mais en même temps, il y a plein de fonctionnaires qui sont partis. Donc, il y a plein de gens qui assuraient du service public qui n'étaient plus là. Et donc, la commune se retrouve à élire des fonctionnaires. Oui. Et les fonctionnaires étaient élus. Donc, ils étaient responsables et révocables. C'était sur décision de la base. C'était quand même... moi, je trouve ça extraordinaire, déjà, pour ouais. l'époque. Voilà. Et puis, toute fonction publique devait être rémunérée à hauteur d'un salaire d'ouvrier. Donc, voilà, déjà pour le salaire. Donc, déjà, tout le monde se met au même niveau. Et en fait, ça permet aussi, le fait du salaire, ça permet aussi d'éviter les corruptions, les arrivistes, voilà. Et donc, voilà. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était la condition d'éligibilité. C'est là, en fait, pas besoin d'être français, voilà. Il fallait être travailleur et parisien. Et n'importe qui, il n'y avait pas d'obligation de nationalité, en fait. Mais il ne faut pas faire de division. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui... Il n'y avait pas de nationalité comme maintenant. Il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient d'un pays à l'autre, soit pour les guerres de religion, soit pour les maladies, soit pour le travail. Les gens bougeaient beaucoup, hein. C'est pas comme maintenant, hein. Maintenant, il y a des frontières, voilà, on est français, on est ici, on est là. Mais à l'époque, les gens bougeaient énormément. Hein. Il y avait beaucoup d'immigration pour des raisons diverses. Mais les immigrés n'avaient pas forcément les mêmes droits que les gens, les nationaux. Quoi. Oui, mais en fait, il y avait beaucoup d'allers-retours. De passage, oui. Ouais, oui, ben, quand il y avait du boulot, les cathédrales décidaient ça, les gens ils bougeaient pour. Voilà. Maintenant, on a fait tout un fromage parce que, voilà, il y a quelques-uns qui viennent, parce que chez eux, c'est la galère complète. Mais à l'époque, les galères, il y en avait, et l'immigration, il y était, et il n'y avait pas de. Il n'y avait pas tout ce qui se passe actuellement. Et encore une fois, la commune, c'est internationaliste. Hein. Il y avait ouais. beaucoup de populations. De mixité. Oui, c'est ça. De gens d'origine diverse, compris par la commune. Alors, il y a un élément important que je n'ai pas redit la dernière fois, on en avait parlé en préparant l'émission, c'est l'habeas corpus. Qui est donc mis en avant par la commune pour la première fois en France, puisque ça existait déjà en Angleterre, hein, depuis même 150 ans, hein, bon point. Et donc, qu'est-ce que c'est l'habeas corpus? Ben, c'est en fait le fait qu'on se préoccupe de la liberté individuelle, vraiment. C'est-à-dire que
les pouvoirs de police, par exemple, doivent respecter la liberté individuelle. Bon, on a du chemin à faire encore aujourd'hui. Hein, chaque personne doit savoir pourquoi il est arrêté. Et voilà. Donc, en 1958, donc, vous voyez bien, par rapport à 1871, hein, dans la nouvelle constitution qui est écrite par Michel Debré avec De Gaulle, hein, c'est la première fois qu'on introduit en France le texte qui est « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » C'est-à-dire, on est un individu a priori libre. Et donc, on peut se poser des questions sur, justement, même dans notre société actuelle, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est une garde à vue ? Une garde à vue, hein, est-ce mais la garde à vue, elle est, enfin, la plupart des gardes à vue actuellement sont illégales, en fait. Parce que normalement, la garde à vue, elle a pour but ou d'empêcher qu'un délit continue à se produire, ou d'empêcher la connivence entre les co-accusés et compagnie. Mais là, maintenant, quoi qu'il en soit, dès qu'on est mis en cause, hop, c'est la garde à vue. Et normalement, c'est pas ça du tout. C'est une forme de détention arbitraire, en fait. Oui, c'est une façon de museler et d'intimider les gens. Et de faire craquer, de faire admettre n'importe quoi. Okay. Le coup fourré qui a été vu par Thiers, entre autres, ça a été de demander à Bismarck, à un moment donné, de libérer des soldats français qui avaient fait la guerre contre les Allemands pour que ce soit une force qui sera une force d'intervention à joindre contre les communards. C'est ces prisonniers qui ont été faits à cela quand Napoléon III a été fait prisonnier. Les Allemands les avaient mis de côté et là ils les relâchent pour lutter contre la commune. Paris était la dernière ville tombée parce qu'avant il y a eu d'autres villes en France. D'autres communes en France et tout petit à petit c'est tout tombé, Paris c'était la dernière. Donc ils ont mis le paquet pour que ça se passe comme la volonté des Allemands et de Thiers. Comme on disait la première fois, c'est que, en plus de ça, c'est la suite d'un siège qui a été. Les gens ont été obligés de manger les rats parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger. Par contre, les bourgeois, ils ont mangé l'éléphant du. Les animaux du zoo. Ils ont mangé les animaux du zoo. Pas que l'éléphant, c'est passé. Mais voilà, donc ils ont eu d'énormes sacrifices par rapport à ce siège de Paris, et après on leur dit, bah, finalement, les Prussiens, c'est des potes, ils vont venir du film. Ouais, c'est ça. Voilà. Après avoir, pendant 5 mois, tu bouffes pas, et à un moment donné, tu dis, bah, voilà, c'est les vainqueurs. Voilà. Alors, les combats ont fait rage, après, entre les Versaillais et les communards, on en a accusé, évidemment, les gens de la commune de destruction dans Paris, mais en fait, ces destructions, toutes les destructions qui ont eu lieu ont été complètement en lien avec l'avancée de l'armée des Versaillais. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on a dit « Ah, ça y est, les communards ont mis le feu à tel monument. » Alors, c'est le ministère des Finances, c'est les Tuileries, c'est le Palais d'Orsay, c'est, etc., le Palais Royal, comme tu dis, les docks de la Villette et tout. Mais c'est au fur et à mesure que les Versaillais avancent, bah, c'est la guerre, quoi. Hein. Donc, évidemment, il y a des trucs qui brûlent. Oui, après, il y a eu aussi ils ont détruit l'hôtel particulier de Thiers aussi. Alors, ils ont détruit. Mais il a été largement. Il a eu 1 million de. Ah, voilà, il a demandé ça comme dédommagement. Et ce monsieur Thiers, comme tu disais, Marie-Claude, qui est resté en fait au pouvoir, qui était au pouvoir jusqu'en 73. 13, voilà. Qui a été au pouvoir jusqu'en 73, oui, c'est ça. Ouais. Donc, il a été président de la République, hein. Il y est allé, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu marrant, parce qu'il y est allé doucement quand même, parce que là aussi, le président, il était révocable, là aussi j'étais étonnée, le président, quand ils ont mis ça sous la Troisième République, qu'ils ont fait qu'il est devenu président, il était révocable. Et il était sous le mandat de. Il était sous mandat, en fait, et c'était l'Assemblée nationale qui décidait, qui disait s'il pouvait rester ou pas. Donc c'était quand même un peu spécial. Hein. Je pense qu'il y avait des restes de la commune derrière, il ne pouvait pas s'installer comme ça, quoi, je pense. Après, Thiers, en 1848, c'est lui qui avait fait sur la foule aussi. Oui, oui. Déjà, il a joué, c'était entraîné déjà. Oui. il a déjà. Il a une histoire derrière lui, oui.
Bon, on estime que donc il y a eu 5 000 ou 6 000 communards qui sont exilés en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Il y a eu donc beaucoup de morts, etc. Bon, on est à certainement plus de, au total entre les gens qui ont été mis en taule, les gens qui ont été fusillés, etc. Il y a peut-être 40 000 personnes qui ont été touchées. Voilà. Et c'est vrai que là, le fossé se creuse entre la gauche ouvrière et le républicanisme bourgeois. Ouais. Il y a qui sont été déportés en Nouvelle-Calédonie aussi. Oui, il y a eu. Michel en particulier. Donc voilà, bien sûr, ça nous renvoie à notre époque, à nous. Comment les choses peuvent se gérer maintenant Oui, mais c'est ça. Enfin, bon, moi, la réflexion que j'ai eue là, c'est effectivement à chaque fois que, ce qui est logique, chaque fois qu'un mouvement réellement populaire se met en place quelque part, il y a forcément des forces réactionnaires qui s'y opposent de façon très violente. Parce que si on laisse faire, ça veut dire qu'après, ça risque d'être l'anarchie partout, dans un sens péjoratif pour le pouvoir, mais dans un sens positif pour moi, c'est-à-dire le pouvoir réellement au peuple, et du coup il y a une forte réaction, et face à ça, et ben, du coup ça se durcit, et les idéaux révolutionnaires se perdent. En 36, c'est ce qui s'est passé, c'est les communistes d'ailleurs qui ont pris les choses en main pour militariser l'opposition à Franco, avec l'aide de Staline d'ailleurs, et voilà. Et du coup, on a exterminé le Poum et les anarchistes. Mais ça n'a pas été net, de toute façon, la position des communistes par rapport à cette guerre même de 39-45 en France, puisqu'au départ, il y a le pacte germano-soviétique. Il y a le pacte, et c'est seulement quand effectivement. Marché a été travailleur volontaire en Allemagne. Ouais. Et c'est seulement quand on se retrouve avec Stalingrad, etc., que là les choses changent. Ouais. Mais ça arrive qu'en 43 quasiment, ouais. Voilà, de mémoire. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a survolé aussi toutes les autres communes qui se sont passées au moment de la commune. Donc il y avait une commune à Lyon, mais il y en a eu à Marseille, il y en a eu dans plein de. À Limoges, à Saint-Étienne, il y en a eu à Grenoble, il y a eu vraiment des communes à Bordeaux, à Nîmes, enfin bon, voilà, il y a eu des soulèvements partout en France, souvent ça c'est un peu mis de côté comme s'il y avait eu que la commune de Paris. Non, c'est vraiment un fait insurrectionnel qui montre à quel point le pouvoir a été. Et tout a été réprimé dans le sang. Ouais. Tout a subi le même sort que Paris, tout a été réprimé dans le sang et dans la violence. Il n'y a pas eu de quartier. Mais si Bakounine était à Lyon, c'est parce qu'il pensait que c'était à Lyon que ça allait réellement prendre, en fait. Ouais. Et du coup, ça n'a pas été. Ouais, mais il y a eu une espèce de trahison, là. C'est pas simple. Quand tu lis l'histoire sur Lyon, c'est pas simple. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qui en est sorti de tout ça? Ben, moi, je trouve quand même qu'il y a plein de choses qui sont sorties de ça. Hein. C'est que, entre autres, c'est là aussi qu'il y a les premières créations syndicales. Tu parlais de création syndicale de femmes aussi. Les femmes ont organisé le travail. Elles ont créé un syndicat et c'était la première fois que des femmes arrivaient à se faire entendre comme ça à ce point, quoi. C'était quelque chose de bien pour l'époque et pendant la commune. C'est vrai qu'elles ont organisé leur boulot et elles ont pris une grosse part, en fait. Elles ont pris une grosse part à la commune, en fait. Mais elles ont été au combat comme les hommes. Oui, oui. Elles étaient sur les barricades. Mais il a fallu qu'elles l'imposent. Hein. Les communards hommes n'étaient pas forcément favorables. Non, ils ne voulaient pas. Ouais. Parce que quand même, mais je trouve que quand même les femmes, ouais, elles étaient cantonnées quand même dans leur rôle de femme. Et au départ, on les a laissés partir avec les hommes, mais c'était pour soigner les blessés, c'était pas pour se battre. Et c'est des femmes comme Louise Michel qui ont commencé à parler aux tribunes et à vouloir se et donc qui ont pris après. Bon, il y avait une je sais plus où c'était, qu'il y avait un endroit où c'était que des femmes qui se battaient là. Sur les barricades. Et elles ont retenu pendant longtemps, et je me souviens plus le nom. Elles ont été bien réprimées aussi.
Et à la fin, ben, les femmes, elles ont morflé comme les hommes. Elles se sont fait déporter, tuer. Il y en a plus de 4000, je crois, qui sont tuées. L'humiliation ultime, c'est qu'elles n'étaient pas fusillées. C'est ça. Et Louise Michel a demandé à être exécutée comme ses camarades, et on l'a déportée. Oui, voilà. Oui. Il y a la création, quelques temps après, il y a la création de la CGT, 1895, c'est pas quelque chose comme ça. Hein. C'est vrai que de ces graines de la commune sont nés beaucoup, beaucoup de mouvements insurrectionnels, hein, quand même, ou en tout cas qui ont fait référence. Hein. On a eu évidemment la révolution russe, mais on a eu plein de choses. Tu faisais référence tout à l'heure à la révolution espagnole, donc avant que ça soit maté par Franco, etc. Mais bon, voilà. Plus près de nous, on a eu Nuit debout, on a eu 68, évidemment, 1968. Mais on a eu les Gilets jaunes aussi, qui est un mouvement insurrectionnel. Et c'est vrai qu'on souhaitait aussi, Gilles, il me semble que c'était un peu ce que tu avais envie de dire, parler de la façon dont un mouvement, à un moment donné, il y a un essor avec vraiment un désir collectif de quelque chose qui va de l'avant, et puis tout doucement il est miné par En fait oui, parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui pensent qu'il faut structurer le mouvement et tout, et qu'il faut arrêter que ce soit aussi démocratique que ça, mais il y a aussi, je pense, les gens qui peuvent avoir un intérêt personnel au détriment de l'intérêt général, et qui vont essayer de prendre le pouvoir et de s'en servir, quoi, de ce moment. Ça, c'est toujours vu. Et de là, l'importance aussi, dès le départ, de mettre en place des instances pour contrôler les prises de pouvoir. Le pouvoir, il est presque incontournable, mais le problème, c'est de pouvoir mettre des choses en place pour le limiter, pour le contrôler, pour éviter qu'il devienne autoritaire et antidémocratique. Parce que moi, je fais forcément un parallèle avec Macron qui a tiré sur les Gilets jaunes. Hein. Enfin, il a fait tirer sur les Gilets jaunes quand même. Oui, non seulement oui, il y a les Gilets jaunes, et puis en plus, il y a eu tous les Black Blocs qui, à mon avis, manipulés, parce que c'est impossible qu'un mouvement comme les Black Blocs ne soit pas infiltré. Et à savoir, après, quand on a un masque habillé en noir. Quand on est habillé en noir avec un masque, c'est difficile de savoir qui on est derrière. Donc je pense que le. Le Black Bloc, c'est un mouvement qui se revendique de l'anarchisme aussi. Et qui, en fait, c'est un peu. Ça vient de ce qu'on appelait le mouvement anarchiste, la propagande par le fait aussi. Où ça vient de. Le rabâcheur au départ et des attentats anarchistes. Mais en fait, c'est que tout un. En fait, c'est pas réellement structuré. C'est qu'on sait que dans une manifestation, d'un seul coup, il va y avoir un signal qui va faire que ça y est, on devient Black Bloc et on attaque les banques, l'État et compagnie. Et en fait, n'importe qui peut être Black Bloc. Voilà, n'importe qui. N'importe qui peut être Black Bloc. Le problème, c'est que ça a bien servi le gouvernement pour passer et réprimer et encore plus, et nasser, et matraquer, et gazer. Ouais. Des yeux et compagnie. Alors, après, quand il n'y a pas les. Parce qu'il n'y a pas toujours des Black Blocs dans toutes les manifs, mais quand il n'y a pas de Black Blocs, c'est des flics en civil qui vont aller casser pour justifier. Voilà, Black Bloc, ça veut rien dire. C'est habillé en noir avec un masque, une capuche sur la tête, c'est pas. Il n'y a aucun signe. Ça me paraît impossible qu'ils ne soient pas infiltrés donc manipulés. Tu vois pas un mouvement. Qui ne sont pas infiltrés à la DSE et compagnie. Mais ce dont tu parles là, Denis, c'est en fait c'est la propagande. Oui, c'est la façon dont la presse actuelle a utilisé. Oui, et c'est une façon de discréditer un mouvement. Il n'y a rien de tel à la violence pour qu'une partie de la population soit contre la violence et soit contre le mouvement social qui s'est créé. Les Black Blocs, à mon avis, n'ont pas été bénéfiques pour le mouvement. Oui, je défends pas les Black Blocs, hein, parce que effectivement, je pense pas que ce soit la bonne solution. Après, ce qu'ils disent les Black Blocs, c'est que la première violence, c'est l'État, c'est que. Oui, mais c'est très compliqué parce que qu'est-ce que tu appelles, à quel moment tu fais référence aux violences des Black Blocs et comment c'est utilisé par la presse, c'est pas forcément ce qui se passe vraiment sur le terrain, en plus. Puisque les journalistes, on a vu qu'ils étaient anti-gilets jaunes quand même, très très, très souvent. C'est-à-dire pour eux, c'était pas, ils sont pas du même monde. Les gilets jaunes étaient forcément au Front National. Voilà, c'est ça. C'était pas du même monde. Il y
liberté de plein de choses, les gilets jaunes. La liberté de la presse, ça plus. Si la liberté de la presse a été pendant la commune, là, il n'y a plus du tout. Ah c'est tout contrôlé, c'est tout par quelques heures, mais quelques milliardaires qui contrôlent pratiquement toute la presse. Après, il y a quelques journaux qui sortent et qui ne sont pas tenus par ces milliardaires et qui sont plus libres. Et puis maintenant, avec Internet, donc il y a beaucoup de, ça passe beaucoup par Internet, mais c'est quand même pas aussi vu, aussi regardé que la presse grand public. Mais ce que tu évoques là, c'est quand même un scandale insensé. On est théoriquement dans un monde où on voudrait aller vers plus de liberté, et c'est des gens qui ont tout le pognon qui détiennent le pouvoir de l'information. Ouais. Évidemment que ça peut pas marcher. Non, on a bien vu que pour l'élection de Macron, il était sur tous les journaux partout. Il parlait que de lui, on voyait tout. Mais il y a eu des cas beaucoup plus importants, moi je trouve. Entre les deux tours de l'élection de Sarkozy, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une personne âgée qui avait été séquestrée, torturée toute la vie et compagnie. Et c'était un scandale, c'était un coup monté. C'était le parti de Sarko qui avait monté ça pour faire monter l'électorat, pour que les gens votent pour la sécurité, donc Sarko. Ça a été monté de toute pièce. Oui, mais et les médias le savaient. Mais c'est pas grave parce que l'élection a été passée après. Ouais, c'est ça. Hein, une fois que l'élection est finie, tu le sais, mais l'élection. La manipulation de Tarmac, là, les quatre individus qui étaient à Tarmac, soi-disant qui étaient des pyromans. Il y a eu un non-lieu, finalement. Il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu. Voilà, il y a eu un point. Voilà, par contre, Koupak a été incarcéré pendant je sais pas combien de mois, il n'a pas été dommagé et tout. C'est normal. On l'a privé de liberté alors qu'il était complètement innocent pendant. Ouais, presque un an. Ah oui, c'est la manipulation, c'est détourner l'attention des gens sur un fait divers, créer toutes les pièces en plus. Comme, voilà, c'est la manipulation, ni plus ni moins. Et c'est la manipulation, puis c'est lui aussi, je pense, faire comprendre aux gens que personne n'est à l'abri de ce genre d'action. Donc si tu ne rentres pas dans le rang, si tu n'es pas un mouton, eh ben, tu peux avoir ce genre d'action qui se monte contre toi. On le voit sur Romain avec toutes les arrestations arbitraires qui se passent, et sur les accusations. Apparemment, là, on a eu le cas de Mona là, qui a été. Finalement, le procureur a bien voulu regarder la vidéo et s'agirait qu'elle n'avait pas proposé prononcer les mots qu'on l'accusait. Mais il faut amener les preuves parce que lutter contre des gens qui sont assermentés, c'est l'enfer pour celui-là qui est accusé. Quoi, quand les preuves sont regardées. Les preuves sont écoutées, parce qu'il y a des endroits où les gilets jaunes ils ont apporté les preuves et on ne les a pas regardées, les preuves. Mais c'était symptomatique hier quand Mona est sortie du tribunal, elle a dit ils ont regardé la vidéo. Tu vois, mais c'était pas du tout gagné. On a vu avec Farid Farissi qui est venu ici, Ferissi qui est venu la semaine dernière, nous montrer que la justice est en train de partir sacrément de travers. Quoi. La justice a été créée aussi pour défendre l'ordre établi quand même. Hein. Elle n'a jamais été là pour défendre les opprimés quand même. Et la meilleure preuve, c'est que quand un homme politique est jugé pour des détournements de fonds de plusieurs milliards, quand il est condamné, c'est du sursis encore. La dure, il n'a rien eu, par exemple. Et il y a une cour spéciale pour eux, parce que à l'époque, être jugé comme le simple mortel. Par contre, si tu t'appelles Mohamed, je sais pas quoi, et que tu as volé un cyclone, là, tu te retrouves en taule, quoi. Et que ce soit Sherpa ou Anticor, ils ont un sursis parce que c'est l'État qui leur donne l'autorisation de poursuivre. Et s'il n'y avait pas eux, surtout Anticor, parce qu'Anticor, c'est pour les politiques, pour relancer les affaires politiques, ça serait enterré, tout à fait bien fait. Là, ils ont relancé encore l'affaire de Colère, qui est bras droit de Macron, alors que l'intérêt, ils ont relancé aussi le président de l'Assemblée nationale, Ferrand, alors qu'on voulait l'enterrer. On essaie à tout prix d'enterrer les affaires des hommes politiques et de les passer sous silence le maximum pour que ça soit pas, ça ressorte pas. Voilà, ils sont comme ça, comme ils sont jugés 20 ans après, ils sont trop vieux, de manière, même s'ils sont condamnés comme Chirac, ils sont condamnés à un tôle. Cahuzac avec son bracelet électronique qui est allé en Corse, c'est grand mieux. Balkany, il danse la rumba là-bas à Paris. on est vraiment dans notre monde après. Ouais. On est vraiment dans notre monde. Ce qui fait que les gens ne vont plus voter parce qu'ils sont écœurés aussi. Ça fait, on revient au truc de les élections qui sont maintenant de plus en plus minimisées, minorées, ou enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais bon, parce que les gens sont écœurés par les hommes politiques.
et leur façon d'agir et de se protéger. Actuellement, un président est élu par 20% de la population. Ouais. Mais on avait vu pour Sarkozy condamné, le tollé qu'il y a eu à droite en disant que c'est un scandale, que c'est une honte qu'on a condamné quelqu'un qui avait fait beaucoup pour la France. C'est se protéger entre eux, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans un déni de justice en France à tous les niveaux. Mais je pense que c'est dans tous les pays. La justice a toujours été là pour protéger leurs établis, de partout. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas eu de commémoration de la commune par Macron. Alors que on nous avait expliqué il y a un mois, puis là, évidemment, puisque c'est M. Comémo. Hein, c'est vrai, depuis le départ, tout est bon pour commémorer. Ben, il n'a pas commémoré. Après, moi, je préfère qu'il ne se l'approprie pas. Ça m'aurait fait mal quelque part. Bon, à Paris, alors, bon, on en a un petit peu parlé avec le Sacré-Cœur la dernière fois, mais pendant 2 mois, là, il y aura plein de choses qui vont se passer. Entre autres, il y a eu un événement qui s'est passé sur le square Louise Michel, dans le 18e. Voilà. Donc, la maire de Paris est venue commémorer. Après, tous les ans, il y a un rassemblement devant le mur des fédérés au Père Lachaise. Hein. Il y a les amis de la commune qui sont actifs sur Paris. Alors, le mur des fédérés, tu pourrais rappeler un petit peu ce que c'est? Mais le mur des fédérés, donc, c'est un mur au niveau du Père Lachaise, du cimetière du Père Lachaise, où les communards ont été alignés et fusillés. Les derniers qui résistaient. Oui, tous ceux qui ont été chopés vivants, on les a fusillés. Et femmes, enfants, et vieillards, et tout le monde. Mais il n'y a pas eu que là. Non, mais c'est là où ça a été le plus. Ils ont eu, oui, bien sûr, ça a été la fin. Parce que c'est la fin, voilà, ils arrivent à Belleville. Et c'était un soi-disant jugement, et c'était expéditaire, quoi. Expéditif plutôt, il y avait 2 minutes de jugement pour chaque personne. Quoi. Donc, ils étaient condamnés d'avance. Et... Oui. Bon, voilà, on a essayé d'évoquer la commune. Au revoir. Eh bien, au revoir alors. Au revoir. À bientôt. Et merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Thank you.